Please, they are hearing the sound now. They are cool. Okay. Yeah, we bless the life of the people who are joining us on the internet. God bless them. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ceux qui nous rejoignent sur internet. Que Dieu vous bénisse. We thank God for the church in La Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur pour l'église sur la Côte d'Ivoire. Oh, if you are clapping, clap. We bless the church also in Liberia. Nous bénissons l'église sur le Liberia. We also bless the church in Togo. Et nous bénissons aussi l'église au Togo. And we bless the church in all over the world. Et nous bénissons l'église partout dans le monde. Amen. Amen. So what you do now, you take a minute. I'll be checking the time to pray for me. Ce que nous allons faire, nous allons prendre une minute pour prier pour notre papa. For me, I think 1 minute for me alone is too small. Et je crois que une minute pour moi seul, c'est peu. Yeah. So you pray for me, pray for my house. Vous allez prier pour moi et ma maison. Yeah, pray now. Priez maintenant. Pray. Lord, we thank you for receiving prayer from them. Thank you for the blood. Jesus, we bless you. Be sincere with the prayer. Pray for your pastor. Prie pour le pasteur et sa famille, children, the wife. Prie pour sa femme, ses enfants. Yes, Lord, thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus, we thank you for prayer. Lord, we plead the blood for strength and grace. Thank you for the blood, thank you for grace, Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Can I have one person who come forward here? You pray this prayer through the microphone. Est-ce que je peux avoir une personne qui peut venir prier avec le micro? Isaiah, come. That you are praying for us. Clap as Isaiah is praying for us. Hallelujah. Amen. It's by the grace of the Lord. So I want us to pray quickly, as our pastor said. We need the grace to endure. According to the other day, the topic that came, we feel like in hope. He said, in hope. If you lose your hope, that is where the enemy gets you. So we are praying that whatever we are hoping for in this fasting, it shall not perish us. And we shall receive it according to his will. I pray for me. Oh. Not you. Hey, okay. Hallelujah. Okay, we are praying for our pastor. Pray for the me. Bible says in the book of Matthew, in the book of Luke, that whenever, see, Babia or Wandifo,
Pray for us. We believe that the doctrine that God has granted for us through our pastor, there is light, there is power. So we are pastor. We will not, this church will not be in the form of godliness, but the power, he shall have it. Hallelujah. Because when he is preaching with the power, that is where whoever is sick, the power himself will manifest to heal. The power himself will be magnified to heal the person. In the preaching, when there is power, all demons will run and they will trample. Hallelujah. So we are praying for him, that may the power come upon him in the name of Jesus Christ. The Lord, as we pray, any kind of strength our pastor needs, the Lord grant him that strength in the name of Jesus Christ. Lord, as we pray this evening, our desire, our prayer this evening, the Lord, strengthen our pastor. Let your grace be upon his life in the name of Jesus Christ. Ready, yesterday we want to stand yesterday with me. Egu ya pastor fill my cup. Say a sumbiara. Eba man umbe say etiano. And fill wa yesu kusho na fete timbo. Yesterday we want to say ratia. O tu mi bama na yoku ni difo. Babia eradi ne odi amano. Say eradu onyano. Yesterday say eradi. Ube show deni monyamu. Ewa na bula pomo. Ewa ne ministry mo. Ewa yesu kusho timbo. Tu mi bama man umbe so. Ebe tiano. Britain, or we thought Pierre, it's a bloody bra. What did I sound the man in battle? I better be going to come on. I read him about two and by who penna. No, did the channel. And my name is funny. No, pen yata. I was yes, a custom demo. Yes, I was one thing tire. And the money was yes, a custom demo. Yes, I was right. Your authority. Etana Brabo. I was yes, a custom demo. Yes, I was to say. A big tea amano. So what did our prison? Say what will live here? Nenjumamo. I read in a bar. I read in your mommy. Yes, I was wanting. And who down quadji. And it down wanting. And the Guna Brabo. So I want to say we will pro AMP. I read what being a noir. To me in Santana. I was yes, a custom demo. But there was a name in Bree. So we are doing the peso. Yet I'm so bad. And I'm so we don't pass for say. Oh, Mom, oh, good man was in the vampire is about your bet in a bear and was saying in our father. Jesus, our yes, a custom demo. But your bet in a bear and could it be one of our yes, a custom demo. But your bet in a bear and Santana bet in it. A bet in the preaching city. Our yes, a custom demo. No pen was in a bet and not on the soul. Our yes, a custom demo. No one suffering, and in their party, a party against the ministry. No, you're a listener when you're not a question, and then you bring a yes to question them. Ready, I say what you say. Ready, I want to be Tiama. I want Jesus Christ them. You know, I send you bring a community and a pump. Amen. Amen. God bless you. Yeah, our brother was just praying for us. God bless him. Clap well. If you are clapping, you do it well. Acclam le Seigneur. Amen. Amen. Wow. Sit down. Today, a lot of people are not in church. I don't know whether they went for commercial break. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'église aujourd'hui. Amen. Amen. One of the things that still Christians are lack of consistency. L'une des choses qui vaut les chrétiens, c'est le manque de consistance. Remember, anything that you decide to do in God, there's a grace allocated to it. Souviens-toi que tout ce que tu décides de faire en Dieu, il y a une grâce qui est impactée à cela. Whenever we teach, we preach,
The purpose or the target of the teaching is to make us better children of God. Tout ce que nous enseignons ou prêchons, le but de ce que nous faisons, c'est de nous faire de nous de meilleurs enfants de Dieu en Dieu. There are times when we preach, we teach, we hear the amen and the hallelujah, we hear the clapping, but after that, when the challenge comes that we have to exhibit, we have to show the teachings and the preaching we hear, that's where a lot of people surrender. Souvent quand nous prêchons, nous entendons les amen, les acclamations, mais lorsqu'un défi vient où nous devons appliquer ce que nous avons reçu comme enseignement, nous abandonnons. Today's teaching is making your vows and keep them or pay them. Le thème de l'enseignement de ce soir, c'est faire un vœu et comment faire un vœu le payer. Now, when I give the topic, it's only one person who say amen. It means that she's the only one in the spirit. Other people, you are. Quand j'ai donné le thème, c'est une seule personne qui a dit amen. Les autres ne sont pas en esprit. Now. The amen and hallelujah, we know that is common with the church, but it have their meaning. Amen means that let it be so. Quand on dit amen, l'amen veut dire que cela soit ainsi. Now, church, whenever we congregate together, there are a lot of things that happen that the eye cannot see. À l'église ou bien à chaque fois qu'on vient ensemble, il y a beaucoup de choses qui se passent que les yeux ne peuvent pas voir physiquement. Now, when a lot of people are in the same vision, in the same target, and they are talking to one goal, that everybody wants something from him, it's not that God is not able, but your attitude and your behavior in the presence of God will determine whether you get it faster, whether you get it bigger, whether you get it stronger. Your attitude matters a lot. Lorsque beaucoup de personnes viennent ensemble, ils ont la même vision, le même objectif. Quand ils prient à Dieu, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable, mais c'est là ta conviction ou bien comment tu te disposes à recevoir de Dieu fera que tu le recevras rapidement. So the topic, manage to summarize, please. The topic is to make your vows and pay them or keep them. Le thème c'est faire ton vœu, les garder ou bien les payer. Now, I need your undivided attention. J'ai besoin de toute ton attention. Now we dealt with a lot of things in this fasting, like breaking family bound. We break a lot of things from us, setting ourselves from situations. Nous avons parlé de beaucoup de choses durant ces jours-ci. Nous avons brisé les hôtels. Now there's something that fight against Christians that is have to do with making a vow and paying them or keeping your vows. Il y a quelque chose qui lutte contre les chrétiens, c'est le fait de faire un vœu, le payer ce vœu ou bien régler ce vœu ou bien le garder. Now, to start by reading my note to you, vow, what does it mean? A vow simply means promise. C'est quoi un vœu? Un vœu veut simplement dire une promesse. Now, you that is here or you that is on the internet watching me. Vous qui êtes ici ou bien vous qui êtes sur internet me regardant. You remember those our days, our evil days. Vous vous souvenez de nos mauvais jours. Like you go to a church, they are sharing an envelope. Quand tu vas dans une église, on partage une enveloppe. You receive it. Tu reçois l'enveloppe. But you didn't send it. Mais tu l'as pas renvoyé. Now, you can tell me 17 years now, but does God forget things? Tu peux me dire que c'est 17 ans maintenant, mais est-ce que Dieu oublie les choses? Now there are some of you that it's not your own is higher than not paying your vow. Is they give it to you and you give it to somebody and the person put the money inside and you decided to be the God that received the money. Certaines personnes pour vous est encore plus grave parce que on vous a donné l'enveloppe de donner à quelqu'un. Vous avez donné l'enveloppe, la personne a mis l'argent dedans, mais vous avez décidé être le Dieu qui va consommer l'argent. Now, if the Lord wants to count iniquity, si le Seigneur voulait compter les iniquités, how many people can stand? Combien de personnes vont tenir devant lui? Now, even when we are talking about it, look at the smile he brought to our face, because things that are dangerous, we have make it funny thing. Les choses qui sont dangereuses, nous les avons rendues amusantes. And this week is so loaded, and I'm not rushing. Et cette semaine est tellement remplie, chargée que je ne vais pas me dépêcher.
Me myself, before I came here, I've been asking God to have mercy on me. Moi-même, avant d'arriver, je demandais à Dieu d'avoir pitié de moi. You can never have a Christian life without vows and sacrifices. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne sans vœux et sacrifices. I will not jump, but I just want to take my time to bring you home. Some of you, your issues have to do with the vows you are not making, and the vows you have made, you have not respected it. Certains d'entre nous, le problème que nous avons, c'est que les vœux que nous ne faisons pas et ceux que nous avons faits, mais nous les avons pas accomplis. So when I say it this way, even if you are writing, make sure that your ears are hearing, your emotions are connected to it, so that we are not just going through a fasting and we are not being transformed. Même si tu écris, fais de temps possible que ton oreille écoute, parce que nous n'allons pas passer ça par ces jours de jeûne et retourner les mêmes. If you're on the Facebook, what you have to do now is to make sure that you share. Si tu es sur Facebook, ce que tu dois faire, tu t'assures de partager le lien de la vidéo. You share it to your WhatsApp. Tu vas le partager sur WhatsApp sur groups, statuts, dans les groupes de, sur WhatsApp. Because we need messages like this to help us not to be guilty before God. Parce que nous avons besoin de messages comme cela pour ne pas être coupable devant Dieu. And if you have shared, you put it in a comment that I just did or I shared. Et si vous avez partagé, écrivez dans le commentaire que je viens de partager. Amen. Amen. So I'm waiting for you so that I start. Alors je vous espère un peu avant de commencer l'enseignement. Amen. Amen. How many seconds we give them? But are you interested in the topic or you don't? Êtes-vous intéressé par le thème? People are declaring guilty before the message comes. Even the interpreter say, me myself, I'm guilty. Now, our problem, Mama P, is that when we are in error and we realize that we are not the only one and we are plenty, then we don't want to change. So, Notre problème, c'est que quand nous réalisons que nous sommes dans une erreur et une autre personne ou bien d'autres personnes aussi sont dans la même erreur, nous disons, ah, c'est pas moi seul. Donc, on se plaint dans cela. On ne change pas. It seems like the multitude or the group, when the group or many people are committed to an error, it seems like many Christians think that God understands. Since we are many that is doing this error, then God will understand. God is not a Democrat. Lorsque beaucoup de personnes sont dans une erreur donnée et on réalise que ah, c'est tout le monde, on dit ah, Dieu comprend. Dieu n'accepte pas les erreurs, bien Dieu ne va pas, Dieu n'est pas dans une démocratie. Voilà. Amen. Amen. God's laws does not change. Les lois de Dieu ne changent pas. Time and season, Honoré, go and deal with those girls, those people. Time, you know, this is where I need your anointing. You know that anointing? Use it there. Now, time and season does not change the ordinances of God or the laws of God. Les temps et les saisons ne changent pas les lois ou bien les ordonnances de Dieu. His word is yea and amen. Sa parole est oui et amen. That's why traveling outside Africa does not change the word of God. C'est pourquoi voyager hors de l'Afrique ne change pas la parole de Dieu. Getting rich does not change the word of God. Devenir riche ne change pas la parole de Dieu. Being poor does not change the word of God. Être pauvre ne change pas la parole de Dieu. The word of God is what it is. Et la parole de Dieu est ce qu'elle est. And God himself said, my word I raise above myself. Et Dieu lui-même il a dit que j'élève ma parole au-dessus de moi-même. I think it's high time that we all pay attention to this father. God's word does not change on the multitude because they want to break it. Je crois qu'il est temps que nous tous nous changeons de mentalité, que la parole de Dieu ne change pas et que la multitude ne peut le changer. The problem of the church in our dispensation is because it's only few that have known the way to heaven and the multitude have take another road. So new Christians, when you want to talk to them about the narrow way, they'll be referring to the multitude, to the mega church, to the multitude of Christians who are not being holy. That's the problem on evangelism.
Le problème que nous avons dans ce temps-ci, c'est que c'est peu de personnes qui connaissent la voie du ciel. La multitude sont sur la voie vaste. Et quand tu veux leur parler du chemin du ciel, ils vont te dire non, les méga-églises prêchent telle et telle chose. C'est là qu'il y a le problème dans l'évangélisation. Amen. Amen. Je prie la grâce de Dieu sur ta vie. Tu fais bien, hein? Mais tu dois avoir une technique de résumer la chose. Okay. Ah, mais si tu veux dire tout, tu sais, je prêche pas un peu, hein, frère. D'accord. What did you hear you ask money? And what did you hear you ask me? You didn't hear anything you ask money. Hey, church. This one they call Nyacho. Or you just like the sound of French. Amen. Amen. Now, vows are simply promises. Les vœux sont des promesses. To start with, vows are not oaths. Vows are different from covenant. Vows are different from oaths. Les vœux sont différents. Or taking an oath. Des alliances. Is that okay? You know, you have to listen well so that Saturday. Vous devez bien écouter pour que samedi. Questions may come. Vous pouvez bien poser les questions. Vows are different. I told you that vows simply means promises. Vous avez dit que les vœux veut dire une promesse. And vows are different from covenant. Et les vœux sont différents des alliances. And vows are different from taking an oath. Oath en français, là, c'est quoi? Les serments. Okay. Les vœux sont différents des serments. I know if it's a Bible study, somebody was passing. So what si c'était une étude biblique, quelqu'un va poser la question, quelle est la différence entre le serment? Now, if vows are simply promises, si les vœux sont des promesses, then what is an oath? Alors c'est quoi un or serment? A covenant? Ou une alliance? As a matter of fact, vows is being established in another way by oath. The oath, or when you take an oath, is the guarantee of the vows. Lorsque tu fais un serment, c'est le garantie du vœu que tu as fait. Now that have to do with the Old Testament. Et cela a à voir avec l'Ancien Testament. But in the New Testament, when you make the promises or you make a vow, you have yourself to hold as a child of God as the guarantee to what you have said. Mais dans le Nouveau Testament, tu es toi-même le policier sur toi-même quand tu fais un vœu ou bien un serment. Does it make sense? Est-ce que cela a du sens? Tonight is not about shouting, it's about teaching. Cette nuit, nous n'allons pas crier, mais nous allons enseigner. Praise God. Hallelujah. Can we take off? Est-ce qu'on peut décoller? We can go. Pouvons-nous décoller? Now, write this thing. You écris write it ceci. Before you think about it. Tu vas écrire avant de penser à cela. Now, the meaning of a vow, it is a solemn promise made to God. Le sens d'un vœu, c'est une promesse solennelle faite à Dieu. A vow means a solemn promises made to God deliberately and freely. Un vœu, c'est une promesse faite à Dieu délibérément, libre. C'est-à-dire que tu le fais libre, personne ne t'a forcé. You are sorry, Anna. Equana. Now, a vow is a solemn promise made to God deliberately and freely. Un vœu, c'est une promesse faite à Dieu délibérément et librement. Now, write another thing. A vow is a promise made by an individual. Un vœu, c'est une promesse faite par une personne. Okay, a vow is a promise made by an individual that he or she will do something or not doing something. Un vœu, c'est une promesse faite par une personne disant que okay, je fais telle chose ou je ne ferai pas telle chose. Don't forget, I will be using it interchangeably, like vow, promise, and they are the same thing. Je vais souvent utiliser le mot vœu et promesse parce que ils sont les mêmes choses. Selena,
Are you getting it? What did you get so far? Qu'avez-vous compris jusqu'à présent? Get the microphone so that let me check something. Who will tell me what you get so far? Qui va me dire ce qu'il a compris? Barbara. Hmm? Yeah, okay. So, please, what I've gotten so far is the difference between a vow and then an oath. Mm. That a vow is made to God and it's done either deliberately or by free will. Mm. Yeah, cool, you try. Who else? Yeah, Pastor Harry. Amen. The way there's, even the service today will be, if you are not careful, you may sleep. La façon dont le culte sera ce soir, si tu ne fais pas attention, tu vas dormir. I didn't intend being gaga tonight. Cette nuit, je veux pas être chaud. You don't see me since I fold my hands and say, oh fire. You are just like popcorn. We will shout, you jump. Vous êtes comme des popcorn. Nous allons crier, vous allez shooter. Non. This one there. Cut your head and put it inside. Nous allons fendre votre tête et mettre l'enseignement dedans. Mama, give me water. Let me drink. Let me chill. I don't rush anything. Yeah, go ahead. Amen. Amen. I'm getting that. J'ai compris que by the definition given, par la définition qui a été donnée, of a vow, par rapport à un vœu, being a promise made by an individual, c'est une promesse faite par une personne. That he or she will do something or not. Que cette dernière fera une chose ou ne fera pas quelque chose. Is explaining to me that an oath. Cela me donne la compréhension que un vœu. May also be a promise. Un serment peut aussi être une promesse. Made. Yeah.
wayo. Yeni waya. Oh, Fata. Wayeno. Wayeno free. Oh. Hallelujah. Amen. Amen. Put your hands together for Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. People on Facebook, the light went off, but we are back now. God bless you. Nous avons eu un délestage, mais la lumière est revenue. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Now, when we are in the physical church, there were we are doing church, something went off. Lorsque nous sommes à l'église, nous faisons le culte et il y a un délestage. The old folks, you see women, they'll start singing. This one you are watching. Dans l'ancien temps, les femmes vont commencer par chanter. Dès qu'il y a un petit souci, les femmes commencent par, ils entonnent un cantique. Alléluia. Amen. So it's an attitude people have to learn. Alors c'est une attitude qu'on doit apprendre. It helps solving spiritual issues. Cela aide à régler les problèmes spirituels. Even if it's devilish, your attitude move him away from us. Même si c'est diabolique, ton attitude aide à ôter cela. We say vows are not covenant, neither that vows are. We say vows are different from taking an oath. Et nous avons dit que les vœux sont différents d'une alliance et d'un serment. As a matter of fact, in certain jurisdictions, when you make a vow, the oath become the guarantee. The oath become the tie. Et lorsque that hold the promise that you made. Lorsque tu fais un vœu, le serment devient ce qui te tient comme police. Que tu puisses accomplir ce vœu. And we say that a vow is a solemn promise made to God. Et nous avons dit que un vœu c'est une promesse solennelle faite à Dieu. Deliberately and freely. Délibérément et sans force. Now, for the purpose of the subject tonight, we are keeping in God first because vow can be made to a brother or a sister. If it simply means promises. Pour le but de l'enseignement, nous allons garder du côté de Dieu parce qu'une promesse peut être aussi faite à un frère ou bien à une sœur. Frère, que ta voix sort. A vow is a promise made by individual. Un vœu, c'est une promesse faite par un individu. That he or she will do something or he or she will not do something. Qu'il ou elle fera quelque chose ou bien il ne fera pas quelque chose.
I promise I will not lie to you. Et je promets de ne pas te mentir. I promise I will do this. Je promets je ferai ci. I promise I will not do this. Je promets je ne ferai pas ci. Is that okay? Est-ce clair? So now we are with Pastor Harry. You are saying something. Are you learning something? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Okay. So, with the definition you gave us. Avec la définition que vous avez donnée. A vow is a promise made by an individual. Un vœu, c'est une promesse faite par un individu. That he or she will do something or not. Qu'il ou elle fera quelque chose ou pas. Teaches me that an oath is also a promise made in allegiance to somebody. Cela m'enseigne aussi que un serment c'est aussi un vœu fait à une personne. In the presence of witnesses. En présence des témoins, which could attract consequences. Qui peut aussi amener une conséquence. Amen. Amen. Okay. Somebody also want to tell me what you learned so far. Quelqu'un pour nous dire ce qu'il a appris. Mm-hmm. Nothing. Papa Sari, what you said, we didn't get anything. No? Or some of you get something. You are bringing the difference between the oath and you understand it? Okay. Help me again. Let me follow you. Amen. Amen. So if vows are taken individually, si les vœux sont faits individuellement, freely and deliberately, librement et délibérément, standing to be corrected, I understand that. J'ai compris que the oath is made in allegiance. This is another word for allegiance. Towards. Yes. Towards. Mm-hmm. Towards God. Le serment. But this time in the presence of witnesses. Le serment se fait aussi à l'égard de Dieu et en présence de témoins. Instead of freely, but this one could attract consequences if broken. Yeah. Okay. You know, you see, that shows our understanding of vow. Cela démontre notre compréhension have replication of les, consequences. Les vœux aussi ont des réplications des conséquences et bénédictions. Yeah, pass it forward. Vow looks like pledges. Thank you. Vow doesn't look like it's pledges. It's pledges. It's promises. Yeah. And the oath looks like swearing. Thank you. Oath is swearing. You are un serment. C'est you ce cannot, que nous jurer. You see, when you are swearing is lorsque tu jures, there are other involvement, but with a vow, it's between you and your God. Avec le vœu, c'est entre toi et Dieu, mais quand tu jures, ça implique you d'autres can, personnes. Do you know that you can promise God? Sais-tu que tu peux promettre à Dieu in your heart, dans ton cœur? And that's how dangerous promises. Et voilà pourquoi la promesse est dangereuse. Me, you can promise me your heart and your head. I didn't know. Tu peux me promettre ta tête et ton cœur que moi, je ne serai pas au courant. But God know the heart, he know the thought of man. Mais Dieu connaît la pensée et le cœur de l'homme. Oh, I said it in my own heart. Oh, moi, je l'ai dit dans mon propre cœur. Je l'ai dit dans mon propre cœur. Now, I pray that we'll get to that side, even making a vow. You know, I'll be using the two because when we say the vow, some people are seeing the thing because in their mind vows are covenant and taking swearing. Pense que le vœu c'est une alliance et un serment ou bien juré. They all have a replication because as Christians there are laws over how we should behave. Étant chrétien, il y a des lois sur comment nous devons nous comporter. Alors toutes ces choses ont une réplication. So we can go on now. Yeah. Okay. Let's read something. Nous allons lire. I have a lot of salad of things here. When they say salad, salad is a missing of everything. Quand on parle de la salade, c'est beaucoup de choses qui sont mélangées. I don't know which one will be good for you. Je ne sais pas lequel sera bon pour vous. One of the things about teaching is that if I give a scripture now, it can take me here. Give a scripture, it can take me here.
Some can take me up. L'une des choses de l'enseignement est que si je donne un verset maintenant, ça peut m'emmener à gauche, à droite, en haut ou en bas. Especially with this light of that came. Holy Spirit, keep me on the right line. Amen. In the name of Jesus. Amen. 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 Now, everybody that you are here, you have ever, once upon a time, toute personne either que you are guilty of a vow you've made, or you have made one before. Toute personne qui est ici, que tu sois coupable d'avoir fait un vœu ou pas, et tu es ici. Okay. Now, vows have two things that they do. The major one, a vow brings blessings. Le vœu a deux conséquences, et la majeure, c'est que un vœu amène la bénédiction. Praise the Lord. Hallelujah. You don't like this message? Vous n'aimez pas ce message? Clap for Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Will it help you? Est-ce que ce message va t'aider? You see, if you understand what you are going to say now. Si vous comprenez ce que nous allons dire tout de suite. Some of you are actually in trouble. You are becoming trouble. Certaines personnes, vous êtes dans des problèmes, mais vous êtes devenu un problème. Because of your way of just promising. À cause de ta façon de promettre. Pastor, please, how will you know that this is a statement of vow and a statement of an oath? Comment sauras-tu que tu as fait une déclaration de vœu ou bien de serment? This is an oath. Now, taking an oath, like for instance, you see, somebody, God forbid, for teaching sake, somebody say, I swear by God, somebody. Par exemple, quelqu'un dit, je jure au nom de Dieu. But promises, you don't swear by God. Ça, c'est le serment, mais avec la promesse, on ne jure pas avec Dieu. Mais tu parles. Yeah, you bring it, you meditate it to God. Tu parles de cela et tu médites avec Dieu. Always have to have something to refer to. That hold people bound to it. Mais un serment a quelque chose qui te retient à ce que tu as déclaré. That's why you see. C'est pourquoi nous voyons. In the traditional way, somebody can take an oath by a river, by the land, by the tomb of their parents. Quelqu'un peut faire un serment par la rivière, la tombe, ou bien par quelque chose. C'est dans le monde. On parle du côté du monde. But if I'm making a promises to you, mais si je te fais une promesse, I don't need to kill an animal. Je n'ai pas besoin de tuer un animal. You just have to utter a word. J'ai juste besoin de déclarer une parole. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? But when it coming to take an oath, that's why when you go to the, mais le serment, the law court, c'est pourquoi quand vous allez en justice, either they are giving you a Bible, quand te donne une, soit on te donne une Bible, they are giving you ou bien on te donne Quran, le Coran. And there are things they do for you to swear by. Et il y a des choses qu'on te propose pour que tu jures par rapport you à cela. Taking an oath is swearing by something. Alors maintenant, faire un serment, c'est jurer par quelque chose. And that thing you are swearing by, they know that the thing have a certain replication if you defile it. Et ce par quoi tu jures, ils savent que si tu ne fais pas ce que tu as dit, ça a une conséquence sur ta vie. But when you go to, I've been to only American embassy. But I don't know other embassy. We go to the American embassy. On était parti à l'ambassade d'Amérique. They want you to, what's the word they use, Mama? To swear or affirm. Ils vont te demander de jurer ou bien d'affirmer. So as a Christian, you don't go and be swearing. Étant chrétien, on ne parle pas là-bas pour jurer. You affirm. Mais tu affirmes. Affirming is to promise by my honor. Et affirmer, c'est promettre par honneur. They have a cage that you raise your hand. Ils ont un coin où tu vas, tu lèves la main. I don't know whether other embassies do same. Je ne sais pas si les autres ambassades le font aussi. It depends on what you are looking for. Ça dépend de ce que tu cherches là-bas. Did you affirm that it's your husband? Do you affirm that it's your wife? Tu affirmes que c'est ton mari, c'est ta femme? But when you go to the court of the law, mais quand tu vas à la justice, they give you Bible. People on te donne la Bible. Bible. That they say they swear. Je dis que je le that jure. I can only speak. We don't have a lawyer in the church here. I swear. I speak the truth, nothing but the truth. Je le jure. Je ne dirai que la vérité, rien que la vérité. Anything I say contrary to the truth, tout ce que je dirai contrairement à la vérité sera retenu contre moi. That's taking an oath. Ça c'est un serment. You are bound by the power and the standard of the word. Et tu es lié par la puissance et le standard de la parole.
But making a promise, you don't need. Mais faire une promesse, to hold on to something. Tu n'as pas besoin que quelque chose. But because we are spiritual people, mais comme nous sommes des êtres spirituels, there is God in the midst of our dealings. Il y a Dieu au milieu de tout ce que nous faisons. Whether to God or to a brother, que ce soit à Dieu ou bien à un frère, God is the witness of what you have said. Dieu est le témoin de tout ce que tu as dit. So you can make a vow or make a promises by your wills, your personal desire, that is, deliberately and freely. Alors tu peux faire un vœu délibérément et librement. Now, for instance, you decided there are people in this church who decided that they will be giving water to the church. Il y a des gens qui ont décidé dans l'église qui vont donner de l'eau. C'est un vœu. À chaque fois ils vont. We didn't call you. You said it by yourself. On ne t'a pas demandé. C'est toi-même qui l'a déclaré. C'est un vœu. Okay, in mission house, if gas finished. Dans la maison missionnaire, si you gas there, il y a pas de gaz, tu vas acheter le. They didn't ask you. On t'a pas demandé. C'est toi-même qui l'a dit. You yourself said it. You see that how vows and promises are. Comment les vœux et les promesses. You are not calling to it. On ne t'appelle pas à cela. It's a personal decision. Mais c'est une décision personnelle. You see, we cannot preach this thing. We can only teach it. On peut pas prêcher cela. So if you have a question, ask. Si tu as une question, pose-le. I'll take it out. Today I'm free for question. Another microphone should be somewhere here so that. Oh, okay. Yeah, okay. Go ahead. If an oath, si un serment, is a guarantee that what I'm saying is true. Est un garantie que ce que je dis est vrai. Does that mean the oath is more severe than the vow? Est-ce que cela veut dire que le serment est plus sévère que le vœu? Now the oath, you are doing it to the person for the person to truly believe you. Le serment, tu le fais pour que la personne croie véritablement en toi. When the person is in doubt of your promise. Quand la personne doute de ta promesse. So when God came to town, alors quand Dieu est venu with Abraham, avec Abraham, the Bible says he looked for other things, la Bible dit qu'il a cherché autre chose, but which he can keep the promise to Abraham, par lequel il pouvait garder la promesse avec Abraham. He found that, so he swore by himself. Et il n'a rien trouvé. Alors il a juré par lui-même. Because what you are swearing by should be higher than you. Alors parce que ce que tu dois jurer par doit être plus élevé que toi. Did you understand? Est-ce que nous avons compris? So when God came. Alors lorsque and Dieu est venu, covenant c'est pourquoi l'alliance est différente de la promesse. Covenant have promises, but promises is not covenant. L'alliance a des promesses, mais la promesse n'est pas une alliance. I teach you here before, je vous ai enseigné ici that we have the life of the covenant, que nous avons la vie de l'alliance, we have the promises of the covenant, et nous avons les promesses de l'alliance. And we have the seal, thank you. You are a good student. The seal of the covenant. Et nous avons le sceau de l'alliance. Covenant have the three dimensions or 14, if I can remember. L'alliance a quatre dimensions. Now we, the covenant that we are in is the new covenant. L'alliance dans laquelle nous sommes, c'est la nouvelle alliance. The seal to the covenant is the life of Jesus, the blood of Jesus. Et le sceau qui a scellé cela, c'est la vie de Jésus, le sang de Jésus. The promise we know when you accept Jesus, you have eternal life. La Zoé, c'est que quand tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle qui est la vie Zoé de Dieu. But there's a life of the covenant is to live godly. Mais il y a une vie de l'alliance, c'est de vivre pieusement. When God called Abraham, lorsque Dieu a appelé Abraham, and established a covenant between him, et il a établi une alliance entre lui et lui. The seal of the Abrahamic covenant is the circumcision. Et ce qui a scellé l'alliance entre Dieu et Abraham, c'est la circoncision. Now, and the promise I'm sending you to a land full of milk, come out of your father's house. Et la promesse c'est que je t'envoie dans un pays où il y a beaucoup de miel et de lait. Sors de la maison de ton père. Praise God. Hallelujah. Now there's a life in Genesis 17. God told him, walk before me and be holy. Et dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Praise God. Hallelujah. So we have a lot of covenants in the Bible. Alors nous avons beaucoup d'alliances dans la Bible. We have Davidic covenant, for instance. Nous allons l'alliance de David. David, we know, is a worshipper. David, c'est un adorateur. The seal of the Davidic covenant is worship, praise and worship. Et le sceau
de l'alliance entre David et Dieu, c'est la louange et l'adoration. As long as you the promise, none of you will not lack a person not to sit on the throne. That's a promise made to David. Et la promesse qui a été faite à David, c'est que tu ne manqueras pas de successeur sur le trône. So we see that Jesus couldn't have come by the tribe of Reuben or Benjamin. Nous avons because there's a promise made to David. Que Jésus n'a pas pu venir par la tribu de Reuben parce qu'il y a une promesse qui a été faite à David. Amen. Amen. So Jesus have to come. The scepter will not depart from Judah. Le sceptre ne va pas se séparer de Judas. Now, promises have to do with what you say you do for God, what you say you do for a brother, you do for a sister. La promesse a à avoir. Promise you make. La promesse a à avoir avec ce que tu as dit à Dieu, ce que tu as dit de faire à un frère ou bien à une sœur. Une promesse que tu fais. This topic is too broad to the standard. We cannot rush it. Ce thème est tellement vaste qu'on peut pas courir dessus. So I think your question will rather help me. Je pense que vos questions vont beaucoup m'aider. Will help me to help you also. Vont m'aider à vous aider. Some of you have made these promises elsewhere. You make it in some churches. Certains which vous avez fait coming to that. Ces promesses dans certaines églises et on va venir sur cela. You make these promises in some churches. Nous and avons those fait churches are not in truth. Et ces églises ne sont pas dans la vérité. I go and fulfill it there? Pastor, est-ce que je dois aller accomplir la promesse là-bas? No, you don't do it. Non, tu because le fais pas. Because the promise, like you make a promises to this church. Par exemple, tu fais une promesse à cette église. It's because God is here. That's why I'm making a promise. Parce que c'est parce que Dieu est ici que tu fais la promesse. But God forbid. Mais que Dieu nous en préserve. In case the church doesn't want to go God's way. Mais si l'église ne veut pas marcher dans les voies de Dieu. You can still go and pay the promises to God in another church who is working with Him. Tu peux partir payer ou bien accomplir la promesse dans une autre église qui marche dans les voies de Dieu. Simple. Simple. Your electricity bill. Le frais de l'électricité. First, when they don't have many agents. Quand ils n'avaient pas beaucoup d'agents, il n'y avait pas beaucoup de bureaux. We go to the main offices. Nous allons au bureau général pour payer. Now there are many offices now. Maintenant, il y a beaucoup de bureaux. If you are living in Nama, si tu vis à Nama, they are based. Ils ont leur one that siège control là-bas. The small agencies. Il y a le bureau qui contrôle les petites agences. OK. Let's say you are paying to one of the agents and things were not going there. You just move to the headquarters. Disons que tu payes dans une des agences et les choses ne fonctionnent pas. Tu vas dans un autre bureau où les choses sont claires. And there are times we will teach you that the person must know that yes, I promise to buy you people land. I promise to give this money, but because you people are not in truth, I withdraw my promise. I'm paying to God in another church. Et des fois, tu dois le faire savoir que je vais payer ce que j'ai promis dans une autre église parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Okay. You didn't finish. Okay, finish. Okay. So please, the second one. Facebook, help us so that this message reach a lot of people. The second one. Mm-hmm. Two examples. Deux exemples. God forbid. Amen. You do something. Tu as fait quelque chose. And we know that an oath is sworn. Nous savons que un serment c'est. Then you say yes. C'est de jurer. Then you say, pastor, I swear I didn't do it. Oh, pasteur, je le jure, je l'ai pas fait. Then second, pastor, I didn't do it. God bears me witness. Du pasteur, je l'ai pas fait. Dieu est mon témoin. These two are they both oaths? Est-ce que now, c'est the Bible warns us not to swear. La Bible nous a averti de ne pas jurer. As Christian, if you étant are chrétien, si tu es un chrétien, you are swearing. Tu es en train de jurer. Maybe you are showing that you didn't do it, but because you swear, you have sinned. Parce que tu es sûr de ne pas faire ce pourquoi on t'accuse, mais parce que tu as juré, tu as péché. You see, working with God, and we should take time. Marcher avec Dieu, nous devons prendre le temps. And learn the ABCD of God et apprendre les ABCD de Dieu. We know that most of the time because of you want to prove to people. Souvent parce que nous voulons prouver aux autres. I swear. Oh, je le jure. Preaching is saying you cry my friend because it's a training you receive. You know, apart from the school training, the house training, there's a training you receive in Christ. Après l'éducation de l'église, de l'école, de la maison, tu as une éducation que tu reçois James en Dieu. Chapter 5 verse 12. Jacques 5, verset 12. James chapter 5 verse 12. Jacques 5, 12. It says, but above all things, brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath.
Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel. By any other oath, but let your yea be yea, let your nay or no be no, lest ye fall into condemnation. Avant toutes ces choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. So, if you are here, you have been swearing. Alors, si tu es ici, tu ne fais que jurer. You are sinning. Tu es en train de pécher. The Bible says you'll be condemned. La Bible dit que tu seras condamné. No, pastor, I didn't do it. I have to do it so that they know. Parce que je l'ai pas fait, mais je devais jurer pour qu'ils sachent. Do you know that there are times some people even swear by lying because they know that you fear God. So when they swear for God for you, you say okay. Des fois, des gens jurent en mentant que je le jure au nom de Dieu parce qu'ils savent que tu as la crainte de Dieu et ils le font. Amen. Amen. Okay, pastor, you know what you said. Mm-hmm. Because when you were talking, something came up, and I'm asking myself that. Many a time we go to banks. Souvent nous allons dans les banques. We guarantee for people. Nous allons prendre le garantie pour les autres. Not only banks, but pas seulement les banques. So I guarantee for him. Ok, je suis là pour être que moi je garantis que ce frère tel. Je suis celui qui sera son témoin. Est-ce que les garanties sont aussi des serments que nous faisons? You see, it opened to another discussion, but we will deal with it. Il a ouvert une autre discussion. You are the Bible warned. La Bible nous a averti. As not to carry another person's sin on ourselves. De ne pas prendre le péché d'une autre personne sur nous-mêmes. Right? Paul wrote to Timothy. He said, "Be careful." Paul a écrit à Timothée. Il a dit, "Fais attention." Be careful of laying hands on people, so fais that attention you d'imposer les mains aux autres. You don't carry another man's sin on you. Pour ne pas transporter le péché d'une autre personne sur toi. If the person is in a dubious business and you a Christian are guaranteed for him, you are sinning. You are a partaker to that, even though they didn't give you money. Si la you are guilty as the one who si stole the money. Si la personne est dans une affaire frauduleuse et toi tu vas garantir pour cette dernière, tu es coupable comme lui, même si tu ne reçois pas d'argent. Bro, your generator is pulling me back. I need force from you. Let your voice come. Should we give you some hot tea? Speak out so that I can be free. Because by the time I'll listen to you, I feel like sleeping. Don't do that to me, please. Okay. I'm anointed, bro. I'm anointed. Yeah. I know you are tired too. You are tired, but please. Shout at them. Amen. Thank you. It's coming. Yeah. So, when you are not only guarantee, pas seulement la garantie, you want to be a witness of, tu veux être un témoin pour quelqu'un, you don't know the person well, tu ne connais pas très bien la personne. See, I want to be a witness. Je veux être un témoin. Okay, let me sign. Alors, je vais signer. Huh? Police may not catch you. Oui, la police ne t'a pas arrêté. But you are guilty. Mais tu es coupable. One day, un jour, in our family, dans notre famille, some people went to stole 10 bags of cement. Certaines personnes sont parties voler 10 sacs de ciment. And they went to keep it with one of our brother who is a tailor. Et ils sont partis le garder chez un frère qui est un tailleur. The house that we live. La maison où on vivait. We didn't steal the 10 bags. On n'avait pas volé les 10 sacs de ciment. When our brother was accepting the timbers, he didn't tell us. Lorsque notre frère était en train d'accepter les sacs de ciment, il nous a pas dit. Of a truth, we saw the timbers in his hall. La vérité est que on a vu les sacs de ciment dans son salon. We went to forest to pray. On était parti dans la forêt pour prier. When we come home, lorsqu'on est revenu à la maison, the women were shouting. Les femmes criaient. Coco, 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 coco. Sortez, sortez, sortez. I said, what happened? Je dis, qu'est-ce qui se passe? The same military people come. Et dit, les policiers sont venus. House, they are arresting them. Et que toute personne dans la maison, on les arrête. Et toute personne qui est garçon. Okay. Any male in the house, they are catching. Tout garçon qui habite dans la maison, on les arrête. Why? Because they stole cement. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé du ciment. And they keep in the house. Et ils ont gardé cela dans la maison. So even before the law of Ghana, et devant la loi du Ghana, everybody in the house is a suspect. Toute personne dans la maison est un suspect. Maybe it's just a friend so keep it for me, I'm coming. Peut-être c'est un but ami qui dit, to verify. Garde-moi where ça. Do you know the person where? Tu es censé vérifier. Est-ce que tu connais bien la personne? So
standing in witness, signing for people, guarantee for people, you must know them that they are true people. Garantie, signée, tenue comme témoin. Pour les gens, tu dois t'assurer que c'est une bonne personne et non une fausse personne. Did you get it? Est-ce que vous avez compris? It doesn't mean that you should help people. Help people, but whoever you are helping, you should check their integrity. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aider, mais quiconque que tu aides, tu dois vérifier leur intégrité. Okay, the question. Honoré, do we have microphone here? Yeah. Hallelujah. Mm. Please. What about the things that you said to yourself in your mind, you have not told the other person? Par rapport à ce que tu as dit à toi-même dans tes pensées, tu n'as pas dit cela à la personne. And like you said it ahead of time, saying that if God bless me, I will do this for this person. Par exemple, tu as dit, you didn't tell the person. Si Dieu me bénit, je ferai telle chose à telle personne, mais tu n'as pas dit à la personne. And along the way to God bless you. Along the way, God hasn't blessed you yet, but things were not smooth between you and the person. So you decide to withdraw that thing. Et chemin faisant, il y a eu un problème entre toi et le frère. Tu as décidé de ne pas faire cela. Ce que tu as promis, donc j'ai entendu. Promise made, a vow made is a vow. Un vœu fait est un vœu. The person's character. Le caractère de la personne. Attitude later. Et l'attitude après. Does not change it. Ne change pas le vœu. Even your mind. Même si c'est dans ta tête que tu as fait le vœu. No, I'll come to that. Je vais arriver là-bas. I'll come, take your time. Prenons notre temps, on va arriver là-bas. To be carnally minded is when you are walking, did your mind speak? Quand tu marches, est-ce que tes pensées parlent? Hein? Now, if you know when the Bible say present your body as a living sacrifice. La Bible dit présente ton corps comme un sacrifice vivant. Let me read it for you. Romains, at time we read the scripture, we don't take time. Romains 12, le verset 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. The verse 2 now said, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that which is good. Now, when your mind is fruitful, renew, you will not be thinking anything negative. Si ta pensée a été renouvelée, tu ne vas pas penser à quelque chose de négatif. So ye may prove that which is good, acceptable and perfect will of God. Now, it's not that something passes your mind. Ce n'est pas que quelque chose passe dans ta pensée. In your mind, you have made the decision. Mais dans ta pensée, tu as pris la décision. It's not only the mind, the heart connected. Ce n'est pas seulement la pensée, mais ton cœur est connecté à cela. No, follow me well. Suivez so bien. So that you don't miss. In your mind, you say, if I get money, I will do this. Dans ta pensée, si j'ai de l'argent, je ferai telle chose. It has been settled. Cela a été établi. It's not something that a flash. Ce n'est pas quelque chose qui a été un flash. There was something that has been settled. Mais il y a quelque chose qui a été établi. Like you had the money, will you do it or you not do it? You would have done it if there's no issue between si you and the person. Si tu avais eu l'argent, tu l'aurais fait s'il n'y avait pas eu de problème entre toi et la personne. But because issues happen, you say you are withdrawing since you didn't tell him. Mais parce que un problème s'est passé, tu dis non, je ne fais plus parce que tu lui as pas dit. You made a promise. Tu as fait une promesse. We have to also talk about which way we made promise. Nous allons parler aussi de quelle façon nous faisons les promesses. By our mind or in our heart. Dans notre pensée et dans notre cœur. Now the person will not come in. If you promise me, I know. Si tu me promets que je sais, the thing you want to give me, what is it? Je vais venir dire, ce que tu m'as promis, c'est où? But if I'm not aware, mais si je ne suis pas au courant, God can ask you. Dieu peut te demander. Yes. Speaking in the microphone. Pastor, please. Yeah. I want to ask. Je veux comprendre quelque chose. Why are you pleasing me? Pastor, please help. Like I'm doing something. What about the promise we make to our old girlfriends? And some of us went to the extent of saying, even if I'm married and you are in need, I'll help you. What about par rapport aux promesses qu'on a fait aux petits amis, et on a dit, même si je me suis marié et tu as besoin de moi, je viendrai t'aider. Watch me. Regardez-moi. Let's take this question. Watch me. Regardez-moi.
If you are here now, si tu es ici, Pastor Sammy, please. If you are here now, si tu es ici, you went to a juju person. Tu es parti chez un féticheur. They said they should help you, and when you get this, you come and do something. Et tu leur as dit, ah, aide-moi. Quand j'aurai telle chose, je vais venir faire telle chose. Are you telling me that now that you repented, you are before me? I'm your. Not even your me. Maintenant, vas-tu me dire the que word of God tu t'es repenti devant okay. moi? La parole de Dieu va te permettre. Since you made promise that go and send a goat and come. Que la parole de Dieu va te dire comme tu as promis un mouton, va là-bas donner le mouton. We are talking about good promises who fall into the scripture, who fall to the word of God. Nous parlons de bonnes promesses qui tombent sous la parole de Dieu. If you promise somebody that I'll be going behind my wife to come, what does that make you? Si tu promets à quelqu'un que so if I break it, I'm saving myself. Si tu promets à quelqu'un que je vais aller derrière ma femme, mais tu brises cette promesse, tu te sauves toi-même. So that, thank you for those questions. Merci pour la question, mais all those wrong promises you made. Tu sais, promesses que nous avons faites par erreur. You made for the devil. Toutes promesses que tu as faites au diable. By obeying God, break it. Et tu en obéissant à Dieu, brise That's cela. It. Simple. So, huh? How come? The Bible says you are a new creature, you are not in Christ. La Bible dit que tu es une nouvelle créature et tu es maintenant en Christ. Those promises are evil promises. Ces promesses ce sont de mauvaises promesses. Because if you are in any need, I will be helping you. You are connected. Si tu es en besoin, je Somebody vais t'aider. That you have sexual intercourse Quelqu'un with. Que tu as eu des rapports sexuels avec. You look and see. You dey preach laimumu. Laimumu chofe la. Eh? Obozoti enkema. Madua kozulele. Un ancien fagot de bois ne refuse pas de prendre feu. An old firewood has been in fire before. Un ancien easily on fire. Fagot de bois prend rapidement feu. And you are promised her for what? Et tu lui promets cela pourquoi? Away, somebody shout away. Quelqu'un dit loin de moi. Promise her. And so, those evil promises you make. À ces mauvaises promesses que tu as faites. Let it change. Que cela change. Alléluia. Amen. Uh-huh. Amen, pastor. Amen. Wives make promises to their husbands. Les Likewise, femmes faisant des promesses husband. À leur mari et mari faisant promesses à leur femme. Tonight we have learned that. Cette nuit, nous avons appris que the behavior of the beneficiary does not change the vow. Le comportement de celui qui va bénéficier de la promesse ne change pas la promesse. So if the wife gets angry with the husband, la femme se met en colère contre son mari maintenant. And due to that anger, does not cook. Et à cause de cette colère, elle n'a pas cuisiné. Or does not do the things that she had promised to do because of Elle n'a pas fait ce qu'elle a promis, elle avait promis de faire. Will she be held accountable? Very, very. It's not only cooking. Ce n'est pas seulement par rapport à la cuisine. A woman that denies the husband says. Une femme qui refuse le sexe à son mari. Why are you Tu es coupable. But. Mais. It doesn't mean that you the man. Cela ne veut pas dire que tu es l'homme. You are just like. Tu. Filling station. Tu seras the comme station d'essence. Tu veux toujours remplir la voiture. How do you call that thing? Gun. Filling station gun. Every car that come. Every evening, you the water. What is that? Hmm? You don't deny your husband says. Tu ne refuses that pas way you don't mari. Deny. Cette it parole, doesn't mean that 24/7 you're on top. C'est pas parce qu'on te dit que tu ne dois pas refuser que toi le mari aussi va réclamer 24/24. Me mao, those kind of me mao. You know, you understand me mao. I won't give you. Understand some husbands. How to pay their wife to J'ai compris sleep que with them. Certaines femmes, le mari doit les payer avant de Can you imagine les your wife connaître sexuellement. If you want it, then nail and do avion. Can you imagine? It's okay. If you want to visit me, si tu veux me visiter, tu dois casser les pompes. Now, not only women, Pas men also must not femmes. Deny. Mais les femmes aussi ne doivent pas rejeter ou bien se refuser à leurs femmes. Les maris. The men also must not deny their
their wife. Les maris aussi ne doivent pas se refuser à leur femme. No. Then if there's something amicably or with love, because when love is around, quand when your wife présent, is tired, you know. Ta femme est fatiguée, tu sais. You should know. Tu dois le savoir. Children are in church. Let me talk about that. Les enfants sont à l'église. Some of you marry, and if you are here, you are a brother. The only thing in your head to marry the sister, sex. Si tu es un frère, la seule chose qui est dans ta tête et tu veux épouser la sœur, c'est le sexe. Sisters, if you know what guys think of you when they want to marry, si vous savez ce que les frères pensent de vous lorsqu'ils veulent vous marier, vous allez fuir. Où c'est Nwanu? Hey, Loki. Let me show you this. Amen. Amen. Now, there is, il a le devoir de la femme. Le devoir de there la femme. There is a duty. Yeah. There's a duty of the woman and there's a duty of the man. Il y a le devoir de la femme et le devoir de l'homme. It does not change by the character or any attitude the man shows or the woman shows. Cela ne change pas par rapport au caractère que la femme ou l'homme démontre. There's a duty of children towards their parents. Il y a un parents. Devoir des enfants à l'égard des parents. Last time when we were talking about honor, the Bible didn't say honor the good father, honor the rich father. La fois passée quand on parlait de l'honneur, la Bible n'a pas dit honore ton père qui est bon ou bien les parents qui sont bons. Honor them, elle a your parents. Honore tes parents. You may school more than them, but say honor them. Tu peux aller à l'école plus qu'eux, mais tu dois les honorer. Did you get it? Est-ce que vous avez compris? But there's a promise you have control over and you can stop. Mais il y a une promesse sur laquelle tu as un contrôle que tu peux arrêter. That is under you. Une promesse que tu as faite à une personne sous toi. Like your child. Par exemple, ton enfant. I told you I'll buy you this thing. Ah, je t'ai dit que je vais t'acheter telle chose. But till you, if you don't stop this character, mais I will not si buy tu n'arrêtes, supposons que tu voulais me donner une voiture. And somebody has given me a car. Et quelqu'un m'a donné une voiture. You don't just sit on your own. Tu ne vas pas t'asseoir toi seul. You should withdraw back to God. Tu dois retourner vers Dieu. Because you didn't tell me, right? Parce que oui, tu ne m'as pas dit. God, dit Dieu, I wanted to do this. Je voulais faire telle chose. But somebody have done it for mais quelqu'un him, l'a fait avant que je le fasse. What should I do? Qu'est-ce que je dois faire? Then, as you pray, God will tell you, okay. Alors comme tu pries, Dieu va te dire. Do another thing or send your own also. Fais autre chose ou bien envoie ta part aussi ce que tu as promis. For all you know. Pour tout ce que tu sais. The law of the first sin must work with the person. La loi de la personne doit agir avec cette dernière. La loi de la première chose. La loi de la première chose. Maybe the first car somebody give. Peut-être la première voiture que la personne a donnée. In the person's vow with God, I will give it. Dans le vœu que la personne a fait avec le Dieu, je vais donner la voiture. So when you are bringing the second one, quand tu amènes la seconde voiture, second one actually is the one you must drive. La seconde voiture est celui que cette dernière doit conduire. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? A spiritual man, un homme spirituel, you can never say he have enough. People you know, they have integrity and they are spiritual because most of the things you give them is not theirs. They also send it somewhere. Les hommes et les femmes à qui nous devons donner, c'est ces personnes qui sont spirituelles et intègres. Parce que tout ce qu'on leur donne, ils ne gardent pas tout, mais ils donnent aussi. The reason why a leader need more blessing than any ordinary person is that you can see a car, you can see money with a leader now, but after 2 hours, it's need money. La raison pour laquelle un leader a besoin de plus de bénédictions, que tu peux le voir avec
une voiture maintenant, mais 2 heures après. It doesn't look like this. Mais l'offrande, le panier d'offrande ne représente, ne ressemble pas à cela. When Paulina came to the physical one, lorsque la sœur Paulina est venue vers le panier d'offrande physique, she couldn't enter. Elle n'a pas pu entrer. But the divine one, mais celui qui est divin, elle est rentrée. So, I have problem. People who bring left hand to give offering. Alors j'ai un problème avec ceux qui amènent l'offrande avec la main gauche. I have problem with it. J'ai un problème avec eux. Because me a man, you couldn't give me things with left hand. Parce que moi un homme, tu n'as pas pu me donner quelque chose avec la main gauche. One of the things you should pay more attention. L'une des choses à laquelle nous devons faire plus attention. Your offerings. C'est ton offrande. Your tithe. Ta dîme. And your vows. Et tes vœux. This is mastery. Voici la maîtrise. I don't know. Please, it's first fruit and a vow. Yes. Because there's no, it's full, vow is a deliberate and free. Le vœu est délibéré et libre. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, is bound by the law. Il y a une loi qui est dessus. But in the New Testament, mais dans le Nouveau Testament, tu as un vœu. You decide to do it. C'est toi qui décides de le faire. Or you don't want to do it. Ou tu ne veux pas le faire. Yeah. So pastor, then if a vow cannot be broken, cannot be broken. Si never. Le vœu ne peut être brisé, est-ce qu'un serment peut être brisé? But evil covenant oath is breakable. Les serments maléfiques peuvent être brisés. Nous parlons par rapport aux choses de Dieu et à Dieu. So when Paulina came to the offering, lorsque Sœur Paulina est venue devant le panier d'offrande, she didn't give money. Elle n'a pas donné de l'argent. Can I shock you? Est-ce que je peux vous choquer? Can I? Est-ce que je peux? Do you know that? When you bring your money, it's not money God take. Savez-vous que lorsque vous amenez de l'argent, ce n'est pas l'argent que Dieu prend? Do you know? Le savez-vous? God take your heart. Dieu prend ton cœur. It's our heart we remove and put inside. C'est notre cœur que nous mettons dans le panier d'offrande. Jesus was around the offering bowl. Jésus était autour du panier d'offrande. People were giving plenty. Les gens donnaient beaucoup. And Jesus was watching. Jésus surveillait. The widow came. Et la veuve est venue. And she gave a coin. Alors elle a donné 2 pièces. And Jesus shout. Et Jésus a crié. Hey! Church! Église. This woman. Cette femme. Has given more than all the rich. Elle a donné plus que vous tous ici. How? Pourquoi? Comment? How can somebody who give $20 has given more than somebody who give $1 million? Comment est-ce que quelqu'un qui a donné $20 a donné plus que quelqu'un qui a donné $1 million? The difference is what goes on in their heart. La différence est ce qui se passait dans son cœur. She has given all that she have. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. And other people who give plenty. Et les autres qui avaient donné beaucoup, ils ont donné de ce qu'ils avaient, ils ont retiré. So what Jesus was judging? Alors ce que Jésus jugeait, the heart that give all and the heart that give what he have from. C'était le cœur qui a donné tout et le cœur qui a donné ce tout. So actually, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand on vient donner? We are giving our heart. Nous donnons nos cœurs. We are giving our heart. Nous donnons nos cœurs. So when he saw this heart. Alors quand tu vois, in physical is plenty. Physiquement, c'est but beaucoup. Realm, mais dans le règne spirituel, tu n'as rien donné. Think about it. Pense à cela. The Bible says where the treasure of a man is. La Bible dit là où est le trésor d'un homme. Hein? Là où se trouve son cœur. Where the treasure of a man is. Où se trouve le trésor d'un homme. That's where his heart. C'est là-bas que se trouve son cœur. The offering you give shows your heart towards God. L'offrande que tu donnes démontre ton cœur à l'égard de Dieu. We are in the mastery fasting. Nous sommes dans le jeûne de la maîtrise. In this thing we are saying, dans ce qu'on est en train de dire, up, au moment où j'ai ouvert cela, les acteurs devaient crier. Celui qui est derrière la caméra doit crier. You cry, you rob yourself. Les instrumentalistes doivent crier parce que
vous êtes volé. You are on the right junction. Tu es au bon endroit. You are on the right door. Tu es à la bonne porte. But your attitude is robbing you. Mais tes attitudes, ton comportement te volent. The reason why when I'm sick or I'm not feeling well, I still want to do God's work because it's beyond my body. La raison pour laquelle quand je suis malade ou bien je ne me sens pas bien, je veux toujours faire l'œuvre de Dieu, c'est parce que c'est au-delà de mon corps. You see, you are doing it so that the body can never conspire against you. Tu le fais au point où le corps ne peut pas conspirer contre toi. At any time I try it. Et à chaque fois que j'essaie, I see that when I make the mind. Tu vois, quand je me mets dans ma tête, like nothing is happening. Je fais ministère comme si de rien n'était. The same thing when you don't have money. La même chose quand tu n'as pas de l'argent. The same thing when you are not happy. La même chose quand tu n'es pas content. The same thing when things are not going well for you. La même chose quand les choses ne marchent pas pour let toi. God's own work tu dis, to affect mine. Que Dieu, pour Dieu agit, cela va affecter le mien. So many people have given offering here. Alors beaucoup ont donné de l'offrande ici. But the main offering that is with God, mais offering bowl has never received from you. Le panique avec Dieu n'a jamais reçu d'offrande. There were people who came here. Il y a des gens qui sont venus ici. As you give the offering, quand tu déposes l'offrande, God himself pull your life. Dieu tire ta vie. And take it. Et il le prend. Because hey, what a heart. Vas-y, ah, quel cœur. Wait. Patiente. If Jesus was at the offering bowl, si Jésus était devant le panier d'offrande, and said, this woman has given more than you. Et il a dit, cette femme a donné plus que vous. It shows that anytime you give offering, they look for who has given more. Cela at the heart. Démontre que à chaque fois qu'on donne l'offrande, on cherche à voir qui a donné plus par son cœur. It means that in heaven there. Cela veut dire qu'au ciel, after every offering, après toute offrande, tithe, dîme, whatever you give, tout ce que tu donnes, there is a judgment over it. Il y a un jugement dessus. This one has given all. Ah, celui-là a tout donné. Don't forget. N'oublie pas. It's just a congregational offering. C'est juste une offrande de la congrégation. There's no way they have a plan that to see who has given more. Il y a pas un moyen qu'ils disent OK, nous allons voir qui a But donné. But Jesus plus. Is giving us the revelation. Mais Jésus nous donne la révélation. That after we all bring our secret offerings. Après que nous tous nous avons donné nos offrandes secrètes. The God that sees the secret. Le Dieu qui voit le secret. Judges it. Juge cela. Why do you think mothers or we give offering to our children to also go and give? What do you think? Pourquoi pensez-vous que les mamans donnent de l'offrande aux enfants de venir donner? Do you know that the Sunday school has given offering than anybody? Savez-vous que l'école de dimanche a donné de l'offrande plus que toute autre personne? Mother, father, you give them small money. Le père et la mère ont donné un peu d'argent à l'enfant. They don't change their money and remove some. Ils ne changent pas. De l'argent. The way you give them, they carry it like that. La façon dont tu leur as donné, ils viennent and they drop avec it. Et ils le déposent. Look at children. Regardons les enfants. How many times they fall and they didn't break their neck? Combien de fois tombent-ils? How many times they were sick, they were healed like this? Ils étaient malades, ils sont guéris en un seul coup. How many times they do something that didn't pain you, but you still love them so? Combien de fois ils ont fait quelque chose, la chose t'a fait du mal, mais tu continues pas à les aimer. The money they receive is not for them. L'argent qu'ils ont reçu, ce n'est pas d'eux. But they were happy they give it all. Mais ils étaient contents quand ils donnaient tout. But me and you. Mais toi et moi. I'll buy fuel. Ah, je vais acheter l'essence. I want to buy a new phone. Je vais acheter un nouveau téléphone. I'm praying that by the time we finish this fasting, je prie que à la fin de ce jeûne, certains vont déposer leur téléphone, la voiture, la clé de voiture, le téléphone, tu vas aller vendre quelque chose et donner aussi à Dieu. This Togo Benin mission. Cette mission sur le Togo et le Bénin. We finish fasting. We will do it in Jesus name. On termine le jeûne, on le fera au nom de Jésus. Amen. So when Paulina came, alors lorsque la sœur Paulina était venue, said, okay, I don't have money, elle dit, but je n'ai pas d'argent, mais pasteur, je donne ma vie. She has given it. Et elle a donné. Before who? Devant qui?
Because every offering must have a priest over it. Et toute offrande doit avoir un prêtre dessus. That's why we pray over your offerings. C'est pourquoi on prie sur les offrandes. That's why the Bible says they put, they bring their gift, they sell. C'est and that's why when we hear, you don't think that you're peusikadi. We want your money to chop. The Bible says the fools, the people of the primitive church, l'église they primitive, sell their property. Ils ont vendu leur propriété. What did they send it to their bank? Est-ce qu'ils ont donné, l'argent à la banque? Non, mais ils ont amené l'argent au pied you know des apôtres. Savez-vous ce que cela veut dire? Yes, the money I'm giving to the church is big. L'argent que je donne à l'église est grand. Billions of dollars. Des milliards de dollars. But I'm still submitted to you, pastor. Mais pasteur, je suis soumis à toi. I'll still respect you. Je vais continuer par te respecter. I'll still obey. Je vais toujours obéir. Because there are times some people give us the money and they want to control us. Parce que des fois des gens donnent l'argent mais ils veulent nous contrôler. Some years ago, a sister in America, il y a des années en arrière, une sœur aux États-Unis, to do a crusade. Elle nous a donné de l'argent pour faire une croisade. Every time she wants to call and see how the thing is. À chaque fois elle appelle pour voir go comment la chose fonctionne. Somewhere. Give your own, allow her to do. Elle dit ah, c'est donne-nous ce que tu veux donner et laisse-nous faire notre œuvre. And Pastor Francis fall in that trap. Le pasteur Francis est tombé dans ce piège. La femme qui nous a acheté le piano. When they were building Agomenya, quand on construisait l'église d'Agomenya. She was happy there also. Elle aidait là-bas aussi. Mais Pastor Francis, avant que je ne réalise, je vois le pasteur Francis qui prêchait. I said, oh, my son is doing well. Elle dit, oh, mon fils fait bien. I was in Togo. J'étais au Togo. And I called this woman because I was in my corner. The woman told me, Pastor, mon coin, from today, la take me as your church member. Pasteur, à partir d'aujourd'hui, prends-moi comme le membre de, un membre de ton the église. Lord have sent me to you. Le Seigneur m'a envoyé avec toi. Blow, blow, blow. Miel est fou, fouato. Mi vane mi adui mi yoko fi ple ama. I was in Togo, things were dry. J'étais au Togo, les choses étaient secs. So I was supposed to come. Ah, je devais venir. My church member said he want to help God's work. Ah, le membre de mon église veut aider l'œuvre so de I Dieu. So I called her. Je l'ai appelé. Please can you send me some transportation? I have to go to Accra. Est-ce que tu peux m'envoyer du transport? Je veux venir à l'église d'Accra. I said, pastor. J'ai dit pasteur. I even want to talk to you. Je voulais même te parler, hein. I said, hey. Il dit ah. Okay, let's talk now. En parlant maintenant. Pastor, you know. Parce que tu sais. Those who evangelism in Togo market. Tes évangélisations au marché du Togo. You are wasting time. Tu perds du temps. When you go to the market, you're supposed to preach here somewhere and move out. When you go to the market, you want to do praises and they want to do something. You are wasting time. Quand tu vas au marché, can't you see the way Pastor Francis is doing it? Ne vois-tu pas comment le pasteur Francis fait l'évangélisation? Then my anointing came. Là, mon onction est arrivée. I said, sister, elle what dit, do you just sir, say? Qu'est-ce que tu viens de dire? So quickly, I said, hey! Are you the one who tell Francis to do the crusade? Elle dit, ah, est-ce que tu es la personne qui a dit au pasteur Francis de faire she want to say, la crusade? I say in the name of the elle Lord. Dit au nom du Seigneur. She know that she can't lie. Elle sait qu'elle ne peut plus mentir. Elle say yes. Elle dit oui, c'est moi. He want to help whoever is doing God's work. Look at another elle way. Elle veut aider quiconque veut faire l'œuvre de Dieu. I say ah. Elle dit where do you know Francis from? Tu connais le pasteur Francis d'où? You want to what's the meaning of that? C'est quoi le sens de ce que tu viens de dire? Are you the one who sent Francis to Agomenya? Es-tu la personne qui a envoyé le pasteur so Francis say, à Agomenya? If I don't ask you transportation to go back to Accra, si je ne te demande pas le transport pour venir à Accra, vas-tu me parler de la sorte? That day, le I jour là, her. Je l'ai délivré. I deliver her. Je l'ai délivré. But she was controlling Francis. Elle contrôlait le pasteur Francis. Because he took the collect. Parce que lui aussi recevait. Oh, do it here. Oh, fais-le ici. Fais-le ici. Fais-le ici. Fais-le ici. I said, let your gift, your money perish with you. Je dis que ton don et ton argent périssent avec toi. I don't do God's work like that. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu comme cela. If it's like that, leave us alone. Si c'est comme ça, laisse-nous tranquille. Any church, any pastor in this church, c'est pourquoi tout pasteur dans cette église. If you know anybody through me, si tu connais your limits. Au travers de moi, connais ta limite. Know your limits. Connais ta limite. Know your limits.
Now, it's taking my son to correct me. Maintenant, elle prend mon fils pour me corriger. The $100, because of the $100. À cause de $100. Somebody went to mission. Quelqu'un est parti en mission. To market, et quand on part au marché, market is a noisy place. Le marché, c'est un lieu où il y a du you bruit. Do something to catch the attention. Tu dois faire quelque chose pour attirer l'attention des gens. So when we go to the crusade, quand, we involve the women. Quand on est parti à la croisade, on a engagé les femmes. Attends, we lead them through fire prayers. Des fois, on les conduit par des prières de after feu. The fire prayers, et après la prière de we feu, make praises with them. On fait la louange avec elles. Then we, when they are dancing, they are committed with... Et lorsqu'elles dansent, elles sont maintenant concentrées. On prêche. She say, can't you see the way Francis... Elle dit, tu ne vois-tu pas comment le pasteur Francis fait son évangélisation? Elle dit, he give his money, so he's giving order. Ah, elle dit, comme elle a donné son argent, elle donne de l'ordre. So to add injury to the thing, he say, now he's referring me to Francis. He say, he is helping every man of God that really want to work. So it's Francis is working now. Pour... And those problems at time, the woman is wrong, but the woman has have an airport. That is my son, who facilitated that. You know, some of the things, c'était des you know, choses, your partiality, you know, there's always some interest that make people dishonor. Il y a toujours un intérêt qui pousse les gens à déshonorer. Because if you are truthful, you realize si that tu es véridique, tu vas réaliser que you let go of certain things because, tu okay, as laissé aller à cause de certaines choses. Or send it. Même à New Hawaii. We lost her. On l'a perdu. Because even when I rebuke her, she was still in relationship with Francis. So même, one day I shout at Francis, Francis, are you still in relationship with that sister? I'm not saying that she will become your enemy. You are my son. Tu es mon fils. What the woman did was ce que la femme avait fait n'était pas bon. When they call her, say, hey, quand j'ai appelé, dit, mi pacho. Quand elle appelle, elle dit, ah, sœur, this pardon. You know is wrong. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Retourne vers mon père. Because she didn't come to the church like a sponsor. Parce qu'elle n'est pas venue à l'église comme un sponsor, mais elle est venue comme un membre d'église. So some of you also want to help God's work. Alors and c'est the pastor as a horse, me, qui veut aider l'œuvre de l'église, mais conduit le pasteur comme un cheval. Je suis pas dedans. Because that's what happened in church now. Voici some people they give you money so that they can be pastors. Certains donnent de l'argent pour être pasteur. Some give money so that they can sit at the front. Certains donnent de l'argent pour s'asseoir devant. Yes. C'est ce qui se passe dans l'église. Now what are you thinking? Que penses-tu? Oh, pastor, we thought you change. I change how? Personne pense que vous avez changé. The day you actually pass your gate, be waiting for your own. I change. Now, this what happened to that sister. Voici ce qui s'est passé avec la sœur. Oh, pastor, the chop alone. Oh, le pasteur mange seul. Mange seul? Chop alone? Il mange seul? That's how we lost her. So c'est pourquoi on l'a perdu. She was like that because elle était comme cela parce que the one who is my son celui qui est mon fils était partial. Couldn't correct because he's il n'a pas pu la corriger parce qu'il recently recevait. She called me. Récemment, elle m'a appelé. Pastor, did you pray against me? Ah, pasteur, est-ce que tu pries contre moi? I said, what do you do? Elle dit, qu'as-tu fait? When we were talking, lorsqu'on parlait, he said, tell me now. Elle continuait pas à me dire. I called Pastor Francis, we spoke. J'ai appelé le pasteur Francis, on a parlé. That Pastor Francis will call me. Ah, je pensais que le pasteur Francis allait m'appeler, dire, ah, cette I dame m'a appelé. Je devais retourner vers mon fils. Telle personne a appelé, dit, ah, elle m'a appelé. If you have a leader, si tu es un leader, you don't lead him, you follow him. Tu ne le conduis pas, mais tu le suis. Your leader wants things to be done this way. Do it. Ton leader veut que les choses soient faites de telle façon. Fais-le. La femme m'a appelé, so je me suis silencieux. J'ai demandé au pasteur, because, yeah, telle personne a dit qu'elle appelait. Pasteur, elle m'a appelé. If I'm Francis, I will not even wait. By the time she hung up, ah, pasteur, I see my sister, Frère. But since, thank God we are learning. Are we not learning? Yeah. Now,
When it comes to people who help in church, if pastors are not disciplined, you allow them to play us. Because some of you, because of your eye. Ceux qui viennent aider à l'église, si les pasteurs ne sont pas disciplinés, ces personnes vont gouverner. And there are times, some of you, the pastors who are my son, des fois, you should be happy fils, that God bless me before you. Que Dieu m'a béni. Because some of the things you should be doing it for me. Parce que c'était des choses, c'est vous qui devez.